peut-être la peur. Non, mais arrêtez tout, je veux dire. Voilà. C'est quand même bien aussi, un peu de calme. Non? La dégénérescence humaine, la vermine, les nuées de rats, les pieds, tout ça, c'est déjà vu, plus besoin. Ouais, l'apéro. Y a peut-être pas que les cloches au final. Non, mais parce qu'en fait, faut que je vous explique. Là derrière ce qui se passe, ouais, derrière la scène, j'entends. En backstage, vous savez? Parce que vous pensiez, on était tous stressés à peaufiner la perruque, répéter une dernière fois le passage sur scène. Légende urbaine. Ce qui s'y passe vraiment, vous voulez savoir? C'est pas bravo. Défilé spécial 10 ans. Spécial. Du coup, la Anna, elle a proposé un apéro. Du coup, apéro, boisson, du coup, débordement. Entre l'autre elfe, là, qui se trompe et prend la scène pour les vestiaires. Et Lobo, qui est déjà fin fini avant de monter sur scène. Sans compter toute la bière que nous a ramené la moine du monastère. La fine équipe, je vous dis, la fine équipe. Si on tend un peu l'oreille, on devrait pouvoir les entendre. N'importe quoi. Mais ne vous les inquiétez pas. Harriet et Spiller, ils sont trop jeunes. Faut pas croire qu'on est irresponsable. J'ai une sale tête de rat, clairement. Mais on protège quand même la jeunesse. Par contre, si vous aviez vu l'état dans lequel s'est mis Kalissi... Bon, c'est pas tout, mais moi... Oh, je vais aller me poser tranquille 2 minutes avant d'y retourner. Il y a des gâteaux et des petits fours. Pardon, j'y vais, je m'en vais tout de suite. Je reviendrai t'apporter des petits fours et bon chaud et...